Bonjour, je vois tout le monde figé. On J'attends les vit, participants. on est patient. On va démarrer doucement, on va déjà vous introduire, et puis comme ça fera venir les retardataires. Donc, ben, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans ce deuxième webinaire sur l'industrie du futur, levier de compétitivité pour l'agroalimentaire. Donc là, on est sur la session 2, automatisation et robotisation, puisqu'il y avait une première session sur la traçabilité. Ce webinaire est donc organisé par Adol, l'AREA, la coopération agricole, la CCI Occitanie et l'Hérault et le pôle Agri-Sud-Ouest. Et on a des intervenants. Bon, je vais vous présenter après le programme. Donc voilà, vous avez ici donc, le programme de ce webinaire. Et donc après, vous aurez tous les intervenants, vous les avez ici cités. Mais après, je pense que chacun se présentera quand ça sera à lui de parler. Juste pour l'organisation, sachez que voilà, vous pouvez tout à fait chatter. Comme on n'est pas nombreux, on aura aussi possibilité d'ouvrir les caméras, pas les caméras, les micros si vous souhaitez poser des questions. Donc n'hésitez pas, hein, l'idée c'est vraiment de répondre à vos interrogations et de pouvoir effectivement vous aider à mieux comprendre ce qu'on va vous présenter. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc juste donc maintenant pour revenir au niveau du programme, donc il y aura une petite introduction, hein, donc justement un petit peu le contexte quand même de ce webinaire. Ensuite, un point sur l'automatisation, robotisation, donc sur l'état des lieux, un petit peu où on en est en matière de robotisation. Ensuite, on aura un témoignage d'un auteur de solutions et d'une entreprise agroalimentaire, donc justement qui a travaillé sur des automatisations, robotisations, donc présentées par cet offreur. Ensuite, on aura aussi un point sur l'amélioration des conditions de travail, tout ce qui est exosquelette. Et Aude vous présentera donc le parcours industrie du futur. Donc là, vous verrez aussi qu'il y a un dispositif en place au niveau régional pour vous accompagner dans une démarche justement d'usine du futur, donc qui est en cours actuellement. Il y a déjà pas mal d'entreprises qui sont dans les starting blocks, mais il y a encore de la place. Donc l'idée, c'est aussi de vous présenter ce dispositif. Donc juste en introduction, avec Alix Pavie de Agricole, on va vous présenter ce contrat de. Oh bah ce sera surtout Anne. Hein, voilà. Je suis là, tu es les deux, puisqu'on pilote à deux cette partie-là. Donc, juste au niveau une petite présentation de ce contrat de filière, sachez que le contrat de filière agroalimentaire donc, a été signé donc, en novembre dernier donc, par l'AREA, la coopération agricole et l'État, la région. Les enjeux de ce contrat, c'est vraiment développer en Occitanie une alimentation plaisir plus saine et plus durable avec des entreprises créatrices de valeur sur l'ensemble des territoires. Donc, c'est vraiment accompagner et aider le secteur agroalimentaire à se développer. Donc, ce contrat s'articule sur plusieurs actions. Donc, notamment, c'est s'approprier un socle collectif fédérateur, permettre de poser des changes, construire un pacte d'union régionale, restaurer la confiance et donner les moyens aux entreprises de se transformer. Donc, c'est vraiment dans cet objectif que se situe donc cette action sur l'industrie du futur. Et toujours dans ce contrat de filière, il y a donc notamment une étape qui est l'étape 10, l'action 10, qui est de favoriser le développement des nouvelles technologies dans la transformation. Donc là, il y a vraiment des constats. Hein. L'agroalimentaire est très en retard par rapport à d'autres secteurs, justement, sur tout ce qui est outils de nouvelles technologies. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Et cette action, c'est vraiment pour vous aider à mettre en place des dispositifs, justement, et ces nouvelles technologies. Donc là, vous voyez… Voilà. Et quand Anne dit donner les moyens de se transformer, c'est à la fois les moyens techniques, technologiques et financiers. Grâce à la région, on a aussi des moyens de financer une grande partie de ce qu'on va vous présenter. Donc, Aude présentera les détails financiers à la fin. Voilà, ce dispositif d'industrie du futur qui sera présenté donc en deuxième partie, hein, où vous verrez que justement, l'idée, c'est effectivement de vous permettre de disposer de ces compétences techniques et financières pour vous accompagner. Donc, juste aussi pour compléter ça, c'était vous dire aussi qu'il existe déjà des choses, hein, puisque donc LRIA, qui est donc
travaillé pendant quelques années sur le sujet de la robotique. Et il y a notamment des guides qu'on avait réalisés en 2012-2014, mais qui sont encore tout à fait d'actualité. Notamment un premier guide qui était pour donner tous les éléments sur la découverte de la robotique, avec des exemples d'applications de robots, et si aussi les raisons de se robotiser, est-ce qu'il faut aller vers la robotisation. Et le deuxième guide qui était donc lui sur pourquoi et comment se lancer dans une démarche de robotisation. Avec tout un tas d'applications, ce qui est vraiment intéressant, c'était des applications industrielles, notamment par exemple comment trancher du cahier dans une fromagerie, comment retourner des fromages, comment décorer des gâteaux, enfin voilà, beaucoup d'applications, et avec des retours d'expérience d'entreprises de la région qui avaient participé à l'élaboration de ce guide. Donc notamment les Sœurs d'Arc, Céline du Mazantou, c'est moi, le Moulin de Sorée, etc. Donc c'est, voilà, sachez que ces guides voilà, sont très pratico-pratiques, qui sont vraiment toujours d'actualité, et je vous invite, vous avez dans le petit tableau de bord, qui est sur la droite de votre écran, vous pouvez aller télécharger ces documents. Donc, vous pouvez tout à coup y accéder directement en ligne. Le troisième, c'est sur l'industrie du futur. C'est ce que va présenter Aude aussi. Vous avez aussi un petit flyer donc, qui sont aussi en plus de ces deux guides que vous pouvez télécharger. Oui, excuse-moi, Alice. Je disais, ça s'adresse à toutes les filières. Donc, quel que soit votre secteur d'activité, il y a toujours moyen de robotiser, d'automatiser, d'innover. Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc maintenant, on va laisser la parole maintenant à Sylvie, d'ailleurs, qui nous avait aidé à rédiger et réaliser ces guides sur la robotique. Donc, Sylvie, donc, comme prévu, je te donne la main. Hop. Alors, attendez, parce qu'il y a une petite… comme on voudrait quand même vous présenter des films, c'est vrai que c'est quand même plus simple des petits films, de voir des robots en action. Alors, attendez, hop, il faut que j'arrive sur Sylvie. Toujours des petites manipulations, mais ça va le faire. Voilà. Allez, Sylvie, à toi. Tu peux. Merci, Anne. Je vais lancer le diaporama. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Non. Pour le moment, non. On n'a plus le diapo. Pour le moment, non. Anne, tu as dû enlever le diapo. J'espère. Voilà. Oui, mais c'est mon écran qu'on partage. C'est bon, ça y est, c'est bon. Et c'est bon, ça marche, Olivier. Vas-y, tu peux y aller. OK. Bonjour à tous et merci de votre participation. Donc, effectivement. J'ai accepté effectivement avec plaisir de répondre à l'invitation d'Anne pour participer à ce webinaire, étant donné que j'accompagne depuis une dizaine d'années maintenant les entreprises industrielles et en particulier dans l'agroalimentaire pour toute leur amélioration de l'outil de production en direction de l'automatisation et de la robotisation. Donc, j'interviens et j'ai proposé également à Jean-Marc Lapitz qui a rejoint cette dynamique d'accompagnement des entreprises industrielles et qui est également dans la salle, là, à me rejoindre puisqu'on accompagne tous les deux dans la même orientation. Donc, je vais aller un petit peu vite parce que j'ai des contenus, j'ai vu que ce n'était pas 20 minutes, j'ai préparé pour 20 minutes et c'est je crois un petit peu plus court. Donc, un petit coucou également à Anne, effectivement, parce que c'est grâce à elle que Anne Gérard et Anne Chassant à l'époque, avec qui j'ai travaillé sur ce fameux guide de la robotisation. Et on a également accompagné en 2012-2013 12 entreprises vers la robotisation. Donc, il s'agissait de faire, comme vous le verrez, une démarche d'audit, en fait, de diagnostic au départ, chose qui est très, très intéressante parce que c'est un regard extérieur sur le fonctionnement des entreprises. Et après, on a réuni les participants, donc 6 une année et 6 l'autre, autour d'une journée collective où on a pu échanger sur ces domaines. Et c'était extrêmement intéressant.
Parce qu'on a justement vu ce webinaire est orienté sur les conditions de travail et que une des conclusions, effectivement, c'est que 100% des entreprises avaient des problématiques de conditions de travail et d'amélioration des conditions de travail. Donc, c'est un champ sur lequel je travaille énormément maintenant, depuis tout le temps, parce qu'effectivement, la robotique, pour moi, qui suis une passionnée de robotique technologique, mais aussi surtout au service de l'humain, c'est un axe que je priorise pratiquement systématiquement. On n'est pas là pour, comme disent les gens de l'agroalimentaire, casser du bonhomme. Et le robot doit être capable d'aider les opérateurs effectivement à mieux faire leur travail en les délaissant de la pénibilité des tâches. Donc, petit contexte de l'industrie agroalimentaire, je vais parvenir bien évidemment sur 2020-2021 que tout le monde connaît par rapport à cet aspect de crise et par contre je dis bravo aux industries agroalimentaires parce que celles qui servaient les restaurants ont hélas subi des problématiques majeures par rapport à un marché qui a chuté et puis celles qui au contraire, fournissent à tout un chacun, ont explosé leurs ventes parce qu'il fallait fournir plus de pâtes, plus de saucisses, justement, etc., etc., pour manger à la maison. Donc, bravo, on ne les a pas assez. C'est comme d'habitude, hein, on oublie des fois des segments qui nous font vivre, finalement. Par contre, il est clair qu'il y a forcément des fragilités. Anne en a mentionné quelques-unes hein, d'une industrie qui n'a pas forcément évolué toujours et qui a un parc machine dans certains cas un petit peu qui nécessite des améliorations, des difficultés de recruter du personnel dans certains cas hein, parce que les conditions sont peut-être un peu difficiles et puis que dans d'autres cas, on a des appels de pays, je dirais, limitrophes et étrangers qui tirent le personnel vers eux. Voilà, et que tout le monde a besoin effectivement de progresser, de faire progresser son outil de travail. Alors, moi, je dis aussi, puisque il y a quand même un plan de relance, même s'il a été très sollicité et qu'il n'y a pas forcément de l'argent pour tout le monde, mais quand même cette dynamique de plan de relance d'industrie 4.0 en France, eh bien, il faut le saluer parce que ce qui nous a permis ces dernières années d'améliorer vraiment l'outil de production, de voir et d'installer des robots hein, pour justement dynamiser notre industrie et c'est ce qui nous tient à cœur. Alors, une autre caractéristique que j'ai mentionnée ici, effectivement, c'est que vous connaissez mieux que moi le panel de l'industrie agroalimentaire où il y a des très grosses sociétés qui ont énormément robotisé. Elles ne le disent pas forcément hein, parce que voilà, ce n'est pas pour le consommateur. Enfin, on ne publie pas forcément, on ne communique pas forcément à l'externe la robotisation. Et par contre, beaucoup de TPE, PME qu'on a pu justement accompagner. Il y a quelques années et que je continue d'accompagner, mais qui ont la difficulté qu'ils sont en dessous d'une limite souvent de rentabilité. Donc, vous verrez que de plus en plus, on a des outils qui nous permettent de robotiser à moindre coût. Voilà. Donc, moi, je suis une fervente défendrice des solutions adaptées à chaque fonction. Et dans le processus agroalimentaire, il est clair qu'il y a non seulement deux zones, une zone de process amont, donc d'environnement produit nu, et une zone où le produit est emballé, où c'est une autre, sous d'autres problématiques quand même, puisqu'il y a moins de problématiques d'hygiène. Alors, beaucoup d'applications et beaucoup d'offreurs ont commencé par la palettisation hein, en agroalimentaire, parce que c'est vrai qu'un carton, finalement, qu'il y ait dedans de l'agroalimentaire ou d'autres choses, c'est moins difficile que quand on travaille en amont, au niveau du process amont, où là, on a les conditions d'hygiène à respecter et les matériels qui doivent respecter surtout les conditions de nettoyage de l'agroalimentaire. Hein.
Et puis, depuis quelques années, ben, effectivement, la robotique, comme on la connaît, la robotique industrielle a rejoint le domaine de la logistique, l'intralogistique. Et je pense que c'est extrêmement intéressant parce que ben, je dirais qu'on a solutionné des problématiques de convoyeurs par rapport à l'installation de robots industriels. Voilà. Donc, en tout cas, pour chaque fois, il est important dans un projet robotique, son gage de ses gages de réussite, c'est vraiment de bien travailler, de bien prendre en compte tous les facteurs de l'entreprise, l'environnement de production, le process lui-même de fabrication, c'est-à-dire les machines amont, les machines aval, parce que finalement, la fonction robotique, ben, elle n'est pas forcément la seule, et on voit bien que l'important, c'est son intégration dans le flux de production, le flux des produits, l'interaction avec les hommes hein, aussi, c'est très important, et toutes les caractéristiques du fonctionnement de votre entreprise. Voilà. Donc, après, je suis partie sur effectivement des grands thèmes hein, qui, pour moi, sont importants avec des petites vidéos parce que en live, c'est quand même toujours plus intéressant. Voilà. Donc, et c'est des cas concrets. Non, alors pourquoi c'est pas parti? Alors attendez, petit souci. Voilà. C'est bon, c'est parti. Donc, c'est un cas de figure qui a été installé dans une entreprise où on avait une grosse problématique de conditions de travail puisque c'est l'opération de décoration des saucisses de Morteau. Voilà, où ben, on est capable d'installer et on installe des machines de conditionnement de mise en barquette qui tapent à des entre 60 et 120 coups minutes hein, pour certaines. Et puis en amont, ben, il faut décorer les saucisses à la main en manipulant des barres qui sont extrêmement lourdes. Hein. Et vous avez vu la difficulté et des postures qui sont compliquées quand on va chercher les barres de saucisses en bas pour pouvoir les décorer. Donc, c'était un exercice extrêmement intéressant parce que on a effectivement travaillé sur ces conditions de travail. Dans ce cas-là, on décortique toutes les fonctions qui sont à faire, à réaliser, hein, et puis on les hiérarchise, bien évidemment. Et on pourrait imaginer, et il y a des gens qui nous ont fait des offres, effectivement. Alors moi, je suis neutre hein, sur l'aspect, je suis indépendante, donc je suis neutre par rapport à l'offre. Donc, je consulte des fois où j'engage mes clients à consulter les gens qui sont spécialistes d'agroalimentaire et spécialistes de domaine. Donc après, on a des fois des réponses avec 4 robots, des fois 2 robots, puis des fois 1 robot parce que c'est important que le robot il ne fasse pas, enfin qu'on ne fasse pas tout faire au robot. Je pense que je suis une fervente défendrice du fait que eh bien, la robotique elle doit s'associer à de la vision, elle doit s'associer à de l'automatisme et qu'il ne faut pas robotiser pour robotiser. Hein. Le robot n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Qui va permettre, vous le voyez, de manipuler des choses vivantes, hein, parce que la ficelle, eh ben, ça bouge, hein, et quelque part, le robot, il est pour nous, enfin, on a fait le choix hein, avec l'intégrateur que le robot, il ne devait manipuler les barres parce que c'était la fonction à plus forte pénibilité. Maintenant, coller une étiquette sur une ficelle, ce n'est pas forcément le propre d'un robot. On peut très bien le faire avec d'autres technologies et de la mécanisation classique. Voilà. Donc, ça, c'était un exemple qui répond à la forte pénibilité et TMS de la main. Je passe un peu vite, mais l'autre point intéressant, à mon avis, dans la dynamique de la robotisation aujourd'hui, c'est vraiment la tendance à la standardisation des solutions. Donc, avant de lancer les vidéos, c'est vrai que la robotisation, il y a 2 cas de figure. Soit elle est on met un robot à l'intérieur d'une machine standard. C'est l'approche des constructeurs de machines en général, hein, les machines de packaging. Tous les fournisseurs de machines de packaging, ou la plupart, ont mis des robots à l'intérieur pour
gagner en performance, en flexibilité, en programmation, etc. Et puis, après, vous avez les intégrateurs qui vous font des machines plutôt spéciales, comme des solutions entre machines. Et puis, dans la dynamique, cette fonction de palettisation, elle s'est tellement standardisée que finalement, enfin, elle a pu se standardiser et donc on peut avoir une approche de solution standard. Et bon, là, c'est un exemple, NG Solutions qui a développé des grands standards, par exemple, la palettisation, il y a trois grands formats, du tout petit collaboratif au plus gros. Et puis, ce qui est surtout intéressant, c'est que derrière, on va l'appliquer à un cas de figure qui, là, vous voyez, qui n'est pas au niveau des cartons, mais c'est quand même une application de palettisation qui est au niveau de la palettisation de blocs de viande congelée. Donc, on est dans une démarche où on conçoit toute une cellule, enfin des cellules standard, mais qu'on va adapter aux besoins. Et là, ça, c'est extrêmement pertinent parce que on va donc rassembler plusieurs demandes similaires pour progresser à plusieurs, donc faire de l'apport de contexte, et ça, c'est très, très intéressant, de diminuer les risques en multipliant les cas de figure parce que, oui, il y a des risques quand même parce que c'est pas des toutes petites applications. Donc je crois qu'il faut que j'aille un petit peu plus vite. C'était pour vous montrer par rapport à ça. Vous aurez le PowerPoint de toute façon, enfin le PDF de toute façon. Une autre tendance, effectivement, c'est au niveau des fortes cadences du packaging. On les a toujours, puisqu'on prend à la volée sur convoyeur dans beaucoup de cas et on reste à distribuer des flux qui sont importants, qui sont pas forcément, qui sont compliqués à prendre parce qu'on prend à la volée des produits fragiles, et puis il faut répartir le flux sur différents robots. Donc ça, c'est des applications qui existent depuis longtemps, mais qui font des progrès parce que, quelque part, on devient de plus en plus précis et de plus en plus rapide grâce à des robots, effectivement, de picking. Par rapport à ses besoins de conditionnement. Donc ça, c'est les grandes tendances des fonctions. Je dois dire que je pense, j'ai choisi effectivement d'aborder la problématique de la robotique collaborative qui permet effectivement de s'affranchir des barrières matérielles. Parce que c'est un outil effectivement qui est intéressant. Cependant, à ce jour, je dois dire qu'il y a peu de… Je vais essayer de lancer cette vidéo quand même parce qu'elle me paraît intéressante. Je vais mon micro. Est-ce que vous voyez la vidéo? Oui. Donc, je vais aller un peu plus loin pour aller un peu vite. Voilà, je crois qu'on le voit mieux quand il est de l'autre côté. Il faut voir qu'une application comme celle-là, qui est en fin de ligne, qui doit être à vitesse réelle, elle correspond quand même à des faibles cadences. Donc, on ne met pas de robot collaboratif quand on travaille à des hautes cadences que vous avez vues plus avant, bien évidemment. De l'autre côté, effectivement, il faut bien faire attention à la conformité de la sécurité quand même. Donc, ces applications, elles font couler beaucoup d'encre en général parce que y a plus de barrières matérielles. Donc, il faut que le robot soit capable, effectivement, de ne pas blesser personne, ni par son outil, ni par ses mouvements. Donc, il est important de prendre ça en considération et dans le cas de figure de la robotique collaborative qui est à mon avis d'autres applications que celles qu'on connaissait avec le robot industriel à forte cadence, eh bien, c'est l'analyse de risque qui permet de dire si on peut être en mode collaboratif ou pas.
Et puis la dernière orientation, je dirais, technologique, hein, c'est les robots mobiles. Et là, je crois vraiment qu'il y a beaucoup de possibilités qui va pouvoir alléger les fonctionnements et diminuer finalement ce qu'on connaît très bien chez les agroalimentaires, ces convoyeurs, hein, qui sont en général quand même fixes et qui prennent beaucoup de place. La robotique mobile va permettre sans doute pour des transferts de bacs d'un endroit à un autre, alléger les structures fixes et donner de la flexibilité. Par contre, il ne faut pas oublier effectivement qu'un petit robot comme ça, c'est à peu près les coûts d'un robot industriel classique. Hein. Donc, c'est, voilà. Donc, une flotte comme ça, quand même, je dirais, peut, enfin, là, on en voit trois, mais des fois, il y en a beaucoup plus. Ça peut monter en tarif, bien évidemment. Voilà. Alors, moi, ce qui me passionne, effectivement, c'est que quelque part, toutes ces technologies robotiques, hein, surtout les technologies industrielles qu'on installe depuis une trentaine d'années maintenant, hein, c'est que bah, elles sont très utilisées dans l'agroalimentaire. On est sur un produit complètement mature, que je recueille toujours des avis très favorables. Hein. Ce n'est pas moi qui parle là dans les textes que vous lisez, c'est bien ce que j'ai pu récupérer auprès des utilisateurs finaux. Et ben, voilà, ça c'est très intéressant parce que ça permet bah, d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans l'amélioration des outils de travail. Voilà. Donc nous, on est dans une approche toujours de progression, de faire passer des transferts de connaissances robotiques tout au long du projet. Hein. Donc c'est pour ça que la partie diagnostic est très très importante pour nous, parce qu'il faut caler les choses, ne pas négliger la définition du projet et la faisabilité. On fait des itérations de cahier des charges. Hein. Forcément pour arriver à un développement projet qui est maîtrisé et il n'y a que en respectant toutes ces étapes qu'on arrive à maîtriser et à arriver dans les temps et avoir de la performance. Et je peux vous dire que quand on suit ça, les gens qui ont intégré du robot bah, ne reviennent pas en arrière. Voilà. Donc, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je vais repasser la main, du moins Anne va reprendre la main et je reste avec vous pour plus de questions par la suite. Merci. Merci Sylvie. S'il y a des questions, on peut à ce moment-là, ce que je dis, c'est que soit chatter, soit poser des questions, ou sinon on peut garder les échanges pour la fin. Hein. C'est comme. Comme vous voulez. Allez, ben maintenant, on va passer la parole à Delta Automatisme et c'est moi, Mathieu et Olivier, à vous. Bonjour à tous. Alors, on a vu des solutions de l'industrie du futur et merci de nous les avoir présentées. On a vu pas mal de solutions de robotique. J'aimerais vous montrer un projet que nous avons réalisé pour ces mois qui est plus simple et qui où on va parler plutôt d'automatisme et même de rétrofit de machines. Pourquoi? Parce que bien en fait pas mal d'acteurs de l'agroalimentaire n'ont pas forcément immédiatement besoin de la robotique et c'est intéressant de leur montrer aussi qu'il y a des solutions d'industrie du futur qui peuvent consister juste en l'automatisation ou en l'amélioration de machines qu'ils ont déjà. Donc, je vais commencer par vous présenter ma société qui est Delta Automatisme, dont vous voyez les activités sous les yeux. En fait, on se définit justement comme intégrateur de solutions d'automatisme, d'électricité et d'industrie 4.0 ou industrie du futur. On développe un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros et on est un peu plus de 20 personnes. Nous sommes basés sur Béziers et nous existons depuis 1981. Pour vous présenter rapidement nos métiers, vous voyez, c'est le cœur de métier, c'est l'automatisme ou l'industrie 4.0. L'idée, c'est d'apporter des solutions vont être personnalisées et qui vont permettre d'améliorer une chaîne de production, d'améliorer un poste de travail en apportant de l'ergonomie, en apportant de la disponibilité et une production améliorée grâce à une solution qu'on va intégrer complètement. De l'étude à la conception jusqu'à l'installation sur site. On réalise aussi des armoires électriques dans nos ateliers à Béziers.
On propose des solutions d'électricité industrielle complète, depuis le poste de transformation haute tension jusqu'à l'organe final. On propose des solutions de maintenance également, avec des contrats de maintenance préventifs, de la maintenance aujourd'hui qui est de plus en plus digitalisée, puisqu'on peut proposer avec soit nous ou avec nos, des partenaires de l'analyse vibratoire, de la thermographie, du préventif sur des machines ou des systèmes industriels. Et les deux derniers métiers qu'on a développés sont le smart building ou le pilotage intelligent du bâtiment. Ça, c'est la capacité d'adapter le bâtiment, que ce soit un bâtiment industriel ou tertiaire, à l'utilisation réelle qu'en ont les gens sur site. Et donc d'apporter du confort, mais aussi de la baisse de consommation, puisqu'on va activer l'éclairage, activer la climatisation, ou d'autres actions du bâtiment, que lorsqu'il y en a réellement besoin. Et enfin, le dernier métier, c'est la performance énergétique, parce que ben, aujourd'hui, c'est très important pour ben, tous les industriels, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans d'autres secteurs, de pouvoir faire appel à des solutions qui vont permettre de baisser les consommations d'énergie pour être plus rentable, plus productif, mais aussi pour avoir une démarche responsable, éco-responsable. Et aujourd'hui, ces solutions, elles sont très simples. Donc là, on propose un audit de l'unité de production ou du bâtiment et on va pouvoir apporter un éventail de solutions autour de l'électricité et de l'automatisme qui vont permettre ces réductions de consommation. Voilà pour la présentation de mon entreprise. Et donc, je vais enchaîner avec les projets qu'on voulait mettre en avant pour notre client C'est moi, dont je remercie de nous avoir fait confiance et d'être présent aujourd'hui. Il va pouvoir témoigner sur l'apport de ces solutions. Alors, j'arrive pas à faire défiler, par contre, le slide. Je vais réessayer. Hop. Voilà. Donc, le premier cas que je voulais présenter, c'est le rétrofit de l'automatisme d'une tempéreuse. Alors, je vous parlais tout à l'heure de rétrofit, d'automatisme. Le rétrofit, en fait, c'est reprendre un système ou une machine existante, l'améliorer, le mettre à niveau. Donc, ça ne représente pas des gros investissements, mais ça va permettre de pérenniser cet outil dans le temps, d'apporter une qualité avec des certifications alimentaires. Je vous parlerai tout à l'heure des capteurs, en l'occurrence, et de l'automatisme qu'on a mis en œuvre. L'idée, c'est d'apporter un standard et une qualité de matériel qui soit pérenne dans le temps. Voilà. Donc, en l'occurrence, ce projet de tempéreuse, là, j'ai mis quelques slides qui montrent l'image des écrans tactiles. Vous voyez à quoi ressemble une tempéreuse sur l'écran de gauche. Tout d'abord, je voudrais dire qu'une des activités de ces mois, c'est la fabrication et le conditionnement de pâtes à tartiner. En l'occurrence, c'est moi qui fabrique des pâtes à tartiner de chocolat au lait ou de chocolat blanc. Et donc, c'est grâce à cette tempéreuse, qui est un échangeur thermique, qu'on va pouvoir apporter à la bonne température ce chocolat. L'idée, en fait, c'est de refroidir le produit de 50 à 34,5 degrés avant le dosage en pot pour l'amener le plus proche possible de la température optimale qui est nécessaire à la cristallisation du chocolat. Et pour l'idée, c'est à la fin d'obtenir une pâte à tartiner avec la texture qui est voulue par ses mois et par ses clients, forcément. La tempéreuse qu'on a rétrofitée datait de 1983. Voilà. Et donc, pour entrer un peu plus dans la partie technique, la tempéreuse, donc, qui est cet outil que vous voyez donc sur la gauche, c'est un échangeur thermique en fait qui va permettre justement d'amener le chocolat ou la pâte à tartiner à la bonne température grâce à l'échange thermique sur des paliers successifs de montée de refroidissement. En l'occurrence, il y a 9 paliers de refroidissement dont chacun a sa régulation dédiée. Et avec plusieurs modes de fonctionnement, donc un mode de production et des modes nuit où on va devoir maintenir le chocolat à un certain niveau de chauffe pour pas qu'il refroidisse et qui l'obstrue ou qui se bouche, qui bouche la machine. Donc, C'est moi nous a missionné pour rétrofiter cette machine qui datait de 83. Ça leur permettait de ne pas investir
trop de frais dans une nouvelle machine, hein, puisque on parle de montants assez élevés, mais de garder, grâce à la modification de l'automatisme, des capteurs et de la tuyauterie, une machine qui soit à niveau et qui soit à jour, qui puisse continuer à être maintenue dans de bonnes conditions et qui apporte surtout un confort utilisateur amélioré. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'on a sécurisé en fait déjà cette machine en ajoutant des capteurs de température et de sécurité. Ainsi que un pressostat de sécurité en entrée de la machine pour apporter une certaine sécurité qui n'existait pas sur la machine précédente. On a aussi amélioré la régulation puisque c'est la clé en fait d'avoir vous l'avez compris, le chocolat à une bonne température. Donc on a affiné nos boucles PID, nos boucles de régulation sur chaque étage grâce à l'automatisation. Hein, on a intégrer un écran tactile et un automate qui nous a permis d'améliorer grâce également au sonde de température qu'on a installé la régulation de la production de chocolat. On a apporté du confort utilisateur aussi par l'intégration de cet écran tactile qui permet d'avoir les programmes de montée en de descente et de montée en température explicités de façon claire et on a créé des scénarios ou des programmes d'utilisation pour chaque mode, production, mode nuit et mode attente, qui permettait aux opérateurs d'avoir une lecture et une mise en fonctionnement affinée et simple à lire et simple à suivre. On a amélioré également l'utilisation des opérateurs de maintenance. On a sécurisé l'accès aux pages maintenance par des badges d'accès. Donc, on a les opérateurs qui ont accès à certaines pages de l'écran tactile. Et le niveau au-dessus, la maintenance, qui, grâce à une traçabilité par badge, peut avoir accès à des pages dédiées à la maintenance, où on va pouvoir aller modifier des paramètres qui sont un peu plus fins, qui sont réservés à ces opérateurs de maintenance. Mais on va pouvoir aussi avoir accès à des pages d'alerte ou d'événements qui auraient pu se produire lors des opérations de production. On a aussi apporté de la traçabilité. De courbes de chauffe et de refroidissement, donc liées à la production, qui vont permettre d'attester un certain niveau de rigueur de la production de pâte à tartiner. Donc ces courbes sont accessibles depuis l'écran tactile, mais aussi depuis le réseau du client, puisqu'on exporte ces courbes sur le réseau informatique et on peut les stocker pour garantir la bonne traçabilité du process de fabrication de ces pâtes à tartiner. Et dernier point fort qu'on peut mettre en avant sur ces solutions de rétrofit qu'on peut proposer, c'est la pérennité de la solution puisque on a repris, je vous l'ai dit, la tuyauterie en apportant des certificats alimentaires à la fois sur la partie tuyauterie inox, mais aussi sur les capteurs qu'on a mis. On a un automatisme qui est du coup mis au goût du jour et qui est récent et qui permet d'avoir une certaine maintenabilité dans le temps et une certaine pérennité. On a une prise en main qui a été améliorée et qui permet d'accéder à distance aussi soit à nos techniciens de maintenance ici, soit aux techniciens maintenance clients aux écrans tactiles. Donc ça permet de voir en temps réel ce qui se passe et de pouvoir même apporter des modifications à distance. Ça, c'est une grosse nouveauté que permet les nouvelles générations d'automates. C'est vraiment de pouvoir travailler à distance et de non plus de se déplacer sur la machine pour pouvoir apporter des modifications. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce premier cas d'école. Et je vais vous parler d'un deuxième projet qu'on a mis en œuvre aussi pour ce même client. Donc, c'est moi, le site de production de Torremelia à Perpignan. Il s'agit de la réalisation de l'optimisation d'une machine à laver les moules. Alors, en réalité, pour laver les moules, c'est important pour faire des moules, en fait, pour faire du chocolat, pardon, je vais me reprendre. Il faut des moules, hein, il faut des moules qui apportent une certaine forme aux tablettes ou aux produits finis qu'on veut réaliser. Et laver les moules, c'est très important parce que ça va permettre de garantir une certaine qualité de ce qu'on fait de la réalisation de la fabrication du chocolat. Donc pour laver les moules, en fait, on va devoir les désinfecter à l'aide de savon et devoir les rincer à l'eau osmosée. En l'occurrence, cette machine, elle fonctionne sur 3 postes pendant 5 à 7 jours par semaine, des postes de 8 heures.
Voilà. Et c'est un point, je vous l'ai dit, primordial de la chaîne de production parce que ben, si on ne lave pas dans les bonnes cadences les moules, ça va réduire et limiter toute la production qu'on va avoir en aval. Donc la question de l'optimisation de cette machine était très importante pour ces mois. Et ces mois s'est aussi posé la question d'investir dans une nouvelle machine avec des montants assez élevés et nous a demandé de réfléchir à l'optimisation donc et au rétrofit de cette machine, ce à quoi nous leur avons répondu par un devis. Et il y avait une telle différence entre le rétrofit et la machine neuve qu'ils nous ont confié, et on les remercie pour ça, l'amélioration donc de la machine. Et c'est le projet que vous avez sur les yeux, puisqu'on a étudié et conçu une nouvelle machine, dont vous voyez le 3D sur la partie gauche, donc qu'on a fabriqué, qu'on a réalisé, et qu'on a automatisé donc par nos propres soins. Vous voyez en bas à droite, un exemple de page écran tactile que nous avons fait. Donc, les points forts de la solution qu'on a proposée, c'était déjà d'économiser des énergies et de l'eau. Pourquoi? Parce que auparavant, en fait, pour chauffer l'eau, on a besoin d'eau chaude pour laver les moules, on avait un jeu de résistance chauffante qui ben, permettait de chauffer. La problématique qu'on avait, c'est qu'on avait une perte de temps dans ce process de réchauffage de l'eau et on avait une consommation d'eau et d'électricité très importante. Pourquoi? Parce que quand on chauffe avec une résistance, ben, c'est pas optimal, hein. C'est comme un chauffage de type grille-pain qu'on peut avoir à la maison. On a un rendement qui est assez faible. Et en plus de ça, on avait un problème de perte d'eau puisque on lavait en eau perdue. Donc, on recyclait pas l'eau, mais on l'a jeté à l'égout. Donc, on a pu travailler sur ça en réutilisant les eaux de rinçage qui étaient très peu encrassées pour les réutiliser dans le lavage suivant. Voilà. Donc, on a travaillé également sur le réchauffage d'eau en utilisant un bac intermédiaire, un bac tampon, qui a été chauffé par d'autres sources de chaleur qui étaient déjà présentes sur le site. Pardon. Donc, on a utilisé de la récupération de chaleur. Ça a permis d'optimiser ce process de chauffe et d'apporter des gains en eau et en énergie sur ce process de lavage. Également, grâce à une solution qui est très simple, qui a été de calorifuger la cuve. Donc, ça veut dire apporter un isolant autour des tuyaux et autour de la cuve de chauffe. On a réussi à optimiser les pertes d'énergie qu'on avait en ligne sur le process de chauffe. On a apporté également un gain de temps. Sur ce process de lavage, puisque on a optimisé la vitesse du carrousel de chauffe, hein, le carrousel dans lequel les moules tournaient pour être lavés, et on a apporté une amélioration significative du temps de lavage, puisque en gros sur on a réussi à rajouter un cycle complet toutes les 1h30. Voilà. Donc en sachant que derrière toute la production est liée à cette machine à laver. Ça a permis d'optimiser l'ensemble de la production de ces mois. Les deux derniers points qu'on peut mettre en avant sur ce projet de rétrofit de la machine à laver les moules de ces mois, eh bien, c'est la fiabilité ou la traçabilité, hein, puisqu'on a mis en œuvre un contrôle automatique des produits désinfectants qu'on utilise et on a mesuré la conductivité et les débits de lavage. Donc, ça a permis derrière d'apporter une certaine traçabilité puisqu'on enregistre ces données et une certaine rigueur dans le process de lavage. Enfin, on a optimisé la machine puisque, comme pour l'autre projet, on a apporté des améliorations de matériel. On est sur du matériel qui est pérenne, qui est standardisé sur le site et qui peut améliorer la maintenance pour les équipes. On a aussi amélioré donc les capteurs et le matériel. Conductivimètre, doseur, contrôleur de débit, pompe, capteur de température, en apportant des certificats matière et une liste de, c'est ce qu'on fait sur tous les projets, une liste de pièces critiques à tenir en maintenance qui va nous permettre derrière d'être réactif dès qu'il y a une panne ou au client de pouvoir tenir en état sa machine. Donc voilà, deux projets que je voulais vous présenter. Pour ce client, c'est moi. Je vais pouvoir laisser la parole d'ailleurs à Monsieur Beauvais qui va pouvoir nous donner un retour expérience client. Mais l'idée, voilà, c'était dans cette intervention, c'était de montrer que sur des projets dits simples de rétrofit, on peut apporter des solutions d'industrie du futur.
industrie du futur ne rime pas toujours avec robotisation, mais ben, ça peut rimer avec optimisation des machines existantes déjà par l'amélioration de ces dernières. Voilà. Je vous laisse la main, Monsieur Bouvet. Oui. Mais donc, moi, je suis responsable d'exploitation. Je me présente rapidement. Je suis responsable d'exploitation du site C'est moi de Torremya, donc de Perpignan. Bon, vous avez quelques chiffres sur le slide par rapport à notre activité. Pour revenir sur les projets qu'on a pu réaliser ensemble, effectivement, on a d'abord, on s'est fait les dents un petit peu sur cette tempéreuse de pâte à tartiner il y a quelques années. Depuis, on en a fait deux autres tempéreuses sur le même principe, hein, les mêmes outils, les mêmes automates, les mêmes panels. Donc, ça nous donne une certaine uniformisation sur le site, puisqu'on a une dizaine de tempéreuses à peu près à date sur ce site. Ce qui est très intéressant pour notre personnel, c'est d'avoir du matériel qui se ressemble, qui nous permet d'avoir une forte polyvalence par rapport aux différentes saisonnalités qu'on peut avoir sur nos métiers. Donc ça, c'est super intéressant. Ça nous a beaucoup servi, notamment l'année dernière, à partir du mois de mars, quand tout s'est écroulé. Donc l'intérêt du revamping, du rétrofit, il y en a un qui me paraît, à mon sens, super important. C'est l'agroalimentaire, vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs personnes l'ont dit, on est un petit peu le parent pauvre de l'industrie. On n'a pas, on a des machines qui coûtent très cher et qui sont assez vétustes. On parlait tout à l'heure de 80, mais on a des machines dans l'usine qui sont des années 60, donc qu'on revampe régulièrement. Hein. Donc c'est super important pour nous d'avoir des intégrateurs qui sont capables de répondre à nos appels d'offres et de répondre à ces difficultés-là. Et le point d'entrée, la donnée d'entrée pour nous, c'est d'être capable de répondre à 100% des critères qu'on demande en termes de personnalisation. Parce qu'aujourd'hui, si on revient sur l'exemple de la machine à laver, aujourd'hui, on peut acheter une machine à laver neuve chez le même fournisseur que celle qu'on a. Par contre, cette machine à laver va nous coûter un billet de 500 000 euros et ne répondra pas à 100% à notre attente parce que ben, ça sera une machine à peu près standard, on va dire, qui est dans sur les catalogues. Et l'intérêt de la personnalisation, ben, c'est de pouvoir justement venir se greffer sur un réseau d'eau chaude qui existe dans l'usine, de venir se greffer sur un réseau de méthanisation pour les déchets, bah, adapter un petit peu les cycles de lavage à ce qu'on fait dans l'usine, aux besoins. Et donc ça, c'est la force des intégrateurs comme vous de pouvoir répondre à tout ça avec tous les autres critères, bien sûr, dont on a besoin, hein, que ce soit les critères qualité pour répondre aux normes qui évoluent beaucoup et très vite. Les normes de sécurité, vous en avez parlé aussi. Une machine des années 60 ou 80, à partir du moment où on y touche, on est obligé de la remettre aux normes et de tenir compte des nouvelles réglementations. En termes d'énergie, ça nous a beaucoup apporté. Hein, c'est un petit peu le nerf de la guerre. C'est là-dessus qu'on travaille quotidiennement pour continuer à avancer. Et bien sûr, en productivité, parce que il faut réduire les coûts régulièrement pour arriver à garder les business. Et enfin, le dernier point, on en a parlé avec l'autre intervenant, c'est tout ce qui tourne autour de la TMS. Hein. Quand on a des outils avec des panels, avec des alarmes, avec tout un tas de choses qui améliorent la condition de travail, en général, on a les TMS qui descendent derrière, donc ça c'est moins parlant sur une machine à laver ou sur une tempéreuse que sur des encaisseuses automatiques, mais on a aussi tout un tas de robotique sur nos bouts de ligne. Mais nous, ça nous a beaucoup apporté, en tout cas tous les projets qu'on a pu faire avec Delta nous ont apporté beaucoup dans tous ces domaines-là.
Voilà ce que j'avais à vous dire. On pourra revenir sur des questions si vous en avez plus par la suite. Ouais, avant, après. Oui, donc avant, après. Vous voulez ouais. faire deux mots sur ce rôle ? Non, pas de. Non, merci, Monsieur Beauvais. C'est toujours bon d'avoir un retour client et de voir un petit peu, effectivement, une fois qu'on a fini ces projets, comment ils sont utilisés. Et ça fait plaisir de voir que le travail qu'on a donné fournit satisfaction. Donc, écoutez, bon courage, surtout dans ce contexte, et en espérant pouvoir continuer à collaborer de la meilleure des façons. Et que ça puisse donner aussi envie à d'autres de s'engager dans des projets de ce type, parce que, ben, on l'a dit, on l'a répété, hein, c'est des projets qui sont pas forcément d'une grande complexité, qui coûtent pas forcément cher, mais qui permettent derrière, dans le temps, d'optimiser les moyens de fabrication. Merci à tous les deux. On va passer maintenant sur une autre application, sur l'amélioration des conditions de travail. Quoi qu'on a vu que ce que vous nous avez présenté pouvait aussi avoir un impact aussi sur les TMS, notamment. Mais là, on va parler maintenant exosquelette. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, tout à fait. Ouais, super. Alors, bonjour à tous. Et effectivement, comme vous venez de le dire, on va parler un peu plus des conditions de travail, donc s'axer sur les conditions de travail. Je me présente très rapidement. Donc, je suis ergonome, je suis responsable du service ergonomie chez HMT, une entreprise qui est à la base donc, un bureau d'études spécialisé dans la conception d'exosquelettes. Et donc, on a un service ergonomie qui répond à des demandes très diverses, dont souvent l'entrée, donc la problématique, correspond à une entrée TMS, donc à des problématiques de TMS. Alors, donc je vais vous parler un petit peu des exosquelettes et pour en parler, je vais choisir non pas le champ, enfin je vais pas choisir de parler uniquement du produit, mais je vais plutôt m'axer sur la conduite d'un projet, parce que vous allez voir que ce qui est le plus important finalement sur ce type d'intégration, c'est vraiment le projet et comment on le mène. Mais comme d'ailleurs les intervenants à un moment ont pu dire, il y a vraiment l'importance d'une démarche derrière. Et aussi du produit, évidemment. Alors, un très rapide tour d'horizon sur les TMS et quelques chiffres. TMS, ça représente, en tout cas en France, 87% des maladies professionnelles. Ça représente 22 millions de journées de travail perdues par an. C'est énorme. 2 milliards d'euros dépensés par les fonds. Et puis, à peu près, c'est le coût moyen d'un TMS, 23 000 euros. Les conséquences que ça peut avoir, elles sont plurielles. La première, c'est une perte d'activité ou d'emploi pour le salarié. Ça a des conséquences assez graves sur sa vie privée. Ça peut être aussi une perte de mobilité. Donc là, encore une fois, sur la vie privée, ça a un impact qui peut être très grave. Ça peut être pour l'entreprise aussi la perte d'un savoir-faire. Parce que quand on perd un opérateur qui est qualifié et qu'on a mis parfois 2, 3, 4 années à former, c'est très important de ne pas le perdre. Et puis le dernier aspect, c'est une perte financière, puisque comme on vient de le voir, c'est un coût direct et puis c'est aussi un coût indirect à l'ETS. Concernant le projet que je vais vous présenter, on va aborder le thème de l'agroalimentaire, forcément, avec l'entreprise Erta, que certainement vous connaissez tous, sur le site d'Ilkirch, donc en Alsace, avec ici le cas de production de charcuterie, de saucisses, les knackis, vous connaissez tous. Voilà, donc l'IRTA, c'est les trois sites de production, dont deux en France et deux sites de logistique. Je passe rapidement. Donc, sur le site de l'IRTA, on retrouve deux chaînes de production. C'est pour vous expliquer un petit peu le process et puis pour contextualiser. On retrouve deux lignes de production, une pour les saucisses et une pour les jambons cuits. Et tout se fait en équipe, enfin sur deux équipes, une qui fait 6h-14h et une deuxième équipe qui fait 14h-22h. Ils sont au total à peu près 500 collaborateurs dans cette ville. Donc on a reçu une demande il y a maintenant un peu plus d'un an et demi à propos d'un poste qui concernait le dépotage de bacs. Donc en fait, à l'arrivée dans l'usine, donc ils reçoivent de matière première, c'est-à-dire de la viande, il faut dépoter ces bacs et préparer pour que ça aille en fabrication ensuite. On a été faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité, et puis très rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas un poste intéressant sur le plan des exosquelettes, donc la faisabilité a été rejetée. Par contre, on a orienté notre projet sur un autre poste,
Déjà parce qu'il était à risque concernant la TMS, et puis aussi parce qu'il y avait on peut dire une faisabilité qui était largement plus perceptible que sur l'autre poste. Donc cette analyse de la demande nous a permis d'orienter notre projet vers un autre poste, celui de l'accrochage des saucisses. Donc je vais vous en parler rapidement après, mais ce qui nous a permis de mener à bien ce projet, c'est, comme on l'a vu pour la première intervenante, c'est le diagnostic et donc l'analyse de l'activité. Ça nous a permis d'abord de comprendre le travail dans toute sa complexité, hein, c'est-à-dire tous les aspects, que ce soit les aspects, les facteurs physiques, psychosociaux, organisationnels ou même cognitifs, qui sont très importants. Et ça nous a permis de les prendre en compte de manière à proposer des pistes d'amélioration qui soient en cohérence avec le projet d'entreprise. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que cette analyse de l'activité nous a permis de connaître et de comprendre une liste de situations de travail, donc un petit peu à la manière, encore une fois, de ce qui est fait en robotique. Une liste exhaustive de situations de travail, de manière à prévoir ensuite des scénarios pour pouvoir simuler les pistes de solutions qu'on proposait. Donc, très rapidement, le process d'entreprise, comment ça se passe quasiment comme dans toutes les entreprises dans l'agroalimentaire, il y a une partie réception et stockage, une partie préparation de la matière première, où là on prépare des palettes, une partie fabrication, une partie de conditionnement, et puis ensuite vers l'expédition, où là on part sur le site de logistique. Sur la fabrication, donc la partie d'entreprise qui nous intéressait ici, on a plusieurs parties en matière de process. Une première partie de broyage de la matière première, ensuite on mélange avec certaines épices et de l'eau pour créer une pâte. Cette pâte, elle doit être raffinée, puis embossée, donc on la met en boyau. Et là, on a une partie où l'opérateur, on le voit ici, doit venir se saisir des saucisses qui sont accrochées. Donc, il prend une aiguille, il passe l'aiguille dans le chapelet de saucisses et vient accrocher les saucisses en fait en hauteur. Donc, un coup en hauteur et un coup à hauteur de bassin. Une fois que ces saucisses sont accrochées, elles partent au fumage. C'est l'intérêt de les accrocher, on les met sur une cage qui va passer dans un fumoir. Et à partir de là, elles ressortent du fumoir et elles sont décrochées, donc l'opération inverse, pour être épluchées à la vapeur. Globalement, ce qui ressort de cette analyse de l'activité, c'est qu'on a plusieurs déterminants qui sont problématiques. Le premier, c'est la quantité de saucisses produites. Forcément, on est sur de très très grosses quantités, et donc ça induit derrière une activité pour l'opérateur qui est très répétitive. Et comme vous pouvez l'imaginer, répéter 1100 fois un geste par jour, dont la moitié au-dessus des épaules, ça peut être très très sollicitant pour un groupe musculaire en particulier, celui des fléchisseurs de l'épaule, et donc on risque forcément de créer des TMS. Ça, couplé au fait que ça soit une activité qui demande une forte concentration, puisqu'il faut toujours venir accrocher au bon endroit, et ben on se retrouve avec un coût cognitif qui est assez important, une charge mentale. Et donc, derrière, on a un risque de TMS qui est accru. Donc, une des solutions qu'on a proposées, c'est d'intégrer progressivement la polyvalence, puisque ce ne sont pas des postes qui demandent une forte qualification. Et donc, on peut se permettre de faire tourner les opérateurs de manière à faire varier les activités au niveau des groupes musculaires. Voilà, donc de modifier un petit peu et de casser cet aspect monotone du travail repétitif. Ensuite, un des autres déterminants sur cette activité, qui est certes très répétitive, mais qui en plus de ça, doit être effectué à chaque fois à 1,80 m du sol, en tout cas pour la moitié des épingles. Et donc, ça entraîne une flexion de l'épaule à chaque fois. Et donc, encore une fois, l'utilisation de certains muscles de manière répétée. Donc, il y a un risque de frottement avec une partie osseuse qu'on appelle l'acromion et de déchirure. Quand il y a déchirure, il y a opération et en général, l'opérateur ne récupère pas la totalité de ses capacités. Donc là, on a un risque de TMS qui est très important, ne serait-ce que par la hauteur de l'accrochage des épingles. Donc, il y a deux pistes d'amélioration qui sont présentées à nous. La première, et c'est en général ce qui doit être priorisé en ergonomie en tout cas, c'est de reconcevoir l'environnement de travail, notamment les machines, de manière à supprimer cette contrainte d'accrochage à la hauteur. Sauf que là, évidemment, c'est une usine qui est assez vieille et où repenser toute l'organisation et
tout l'environnement de travail, ça imposerait des coûts qui seraient déjà énormes, et puis aussi ça un temps de reconception de reconception et de refabrication du bâtiment qui serait beaucoup trop important, donc des pertes financières énormes. Du coup, c'était impossible, et c'est là qu'on voit qu'il est très important de prendre en compte l'ergonomie en conception et donc en amont de la conception de la situation de travail plutôt qu'en correction, comme ça arrive ici. Et donc, dans ce cas, c'était impossible de reconcevoir. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a proposé à l'entreprise la conception d'un dispositif d'assistance physique, qu'on appelle aussi exosquelette, un peu plus vulgairement, de manière à soulager le poids des bras à chaque fois qu'il y a une flexion de l'épaule. Donc, le but ici, c'est de diminuer la tension musculaire, plutôt l'activité musculaire, de manière à réduire la taille des tendons qui se dilatent quand ils sont trop utilisés. Et donc, de manière à venir j'ai un écho, je ne sais pas si vous entendez bien. Est-ce que quelqu'un a réactivé son micro par hasard? Là, on vous entend bien. L'écho a disparu. Ok, c'est bon, ça va bien. Super. Donc, je disais, la solution qui a été proposée ici, c'est de venir concevoir de manière collaborative avec les opérateurs un dispositif d'assistance physique qui correspond à leur activité et qui leur permette de soulager la flexion d'épaule à chaque fois. Je ne vais pas passer. C'est bon là, qu'est-ce que vous voulez faire là, elle est passée la diapo, ouais. Là, qu'est-ce que... J'arrive pas à passer, en fait il y avait un troisième déterminant, voilà, c'est bon, il arrive. Donc là, un des troisièmes déterminants sur cette activité, je vais essayer de passer assez vite pour vous parler plutôt exosquelette, c'était celui de la qualité du soulage qui est très importante. Donc il doit y avoir un espacement assez important entre chaque aiguille d'accrochage. Et donc ça implique qu'il y a des contraintes qui sont demandées aux opérateurs concernant cette qualité, et que donc entre chaque aiguille, il doit y avoir trois crochets. Ce qui fait que les opérateurs doivent compter à chaque fois le nombre de crochets qu'il y a entre chaque aiguille sur la cage. Donc ça implique une contrainte cognitive, encore une fois une charge mentale. Parfois il y a des erreurs, ces erreurs il faut les corriger. Donc ça implique forcément une charge physique plus importante. Et derrière ce stress et cette charge physique plus importante, elles peuvent à elles seules provoquer des TMS. Donc, ce qui a été proposé ici, c'est d'indiquer à l'aide de repères visuels sur la cage les endroits où devaient être placées les tiges. Ça permet aux opérateurs de soulager une partie de la contrainte cognitive, donc de ne plus avoir à se concentrer sur cet aspect, derrière de générer moins de stress et donc forcément de limiter le risque de TMS. Voilà. Je vous aide. Très bien, super. Merci beaucoup. Et enfin, une des dernières pistes d'amélioration, c'était simplement d'allonger un câble de manière à ne plus avoir à aller le chercher en hauteur à chaque fois. Donc d'éviter le mouvement de flexion de l'épaule. Voilà, donc on a proposé ces quatre leviers quand tout s'était mis en place. Et puis l'activité dans toute sa globalité a été soulagée. En fait. Donc ça, c'était un travail collaboratif avec les opérateurs. Et puis, par rapport à ce que je vous disais au niveau de l'exosquelette, on a lancé un projet de conception collaborative où on est venu avec un premier proto. Donc, à la suite du diagnostic qui avait été effectué, rédigé un cahier des charges. Ce cahier des charges, il a été traité en groupe de travail avec les opérateurs et avec la société Arta, de manière à le valider. Et puis, à partir de là, on a, par le biais d'itération, amené un premier prototype, puis, en fonction des retours opérateurs, améliorer ce prototype. De manière à ce qu'il correspond parfaitement à l'activité et aux besoins réels des utilisateurs. Et non pas juste à un cahier des charges qui était la partie plutôt théorique et prescrite de l'activité. Donc ce dispositif, il est assez simple. On a une ceinture sur laquelle vont reposer les efforts, puis deux barres où se trouve le mécanisme. Ce sont simplement des élastiques, des tenseurs, on va dire, qui restituent un effort et permettent donc de soulager à chaque fois qu'il y a une flexion de l'épaule. Que le bras
engager une flexion libre-humaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lève les bras. Ce qui fait que sur la globalité d'activité des opérateurs, on est venu soulager quand même la moitié des mouvements, c'est-à-dire tous ceux où il y avait un besoin de passer au-dessus des épaules. Et puis en fait, ceux qui n'étaient pas problématiques, donc ceux au niveau du bassin, l'opérateur peut toujours continuer à les effectuer de la manière où il le faisait avant. Donc encore une fois, c'est une solution qui a été proposée uniquement parce qu'il était impossible de recevoir totalement l'environnement de travail. Et ça, c'est très important de le prendre en compte. Un exosquelette, ce n'est pas une solution miracle. C'est une solution qui doit venir être proposée uniquement quand on ne veut plus rien faire. C'est, on va dire, la cerise sur le gâteau. Et il est super important d'appliquer tous les principes de précaution avant de penser à un exosquelette. Il vous reste 2 minutes. Hein ouais, je vais très, très vite. Donc, ce qui est important, encore une fois, pour intégrer un dispositif d'assistance physique ou un exosquelette, c'est de mettre en place un groupe de travail avec des opérateurs qui sont volontaires. Ça, c'est super important. On mène un projet pilote avec des volontaires et on ne force pas les gens à utiliser un dispositif d'assistance physique ou n'importe quelle idée d'amélioration. On présente et on informe en amont les opérateurs, enfin, on les forme aussi à l'utilisation. À propos des idées reçues, par exemple, qu'on peut avoir sur les exosquelettes, mais aussi à propos de ce que ça va apporter réellement ensuite, et aussi des contraintes que ça peut avoir. Hop. La partie de simulation en situation réelle, qui est super importante, donc avec ce que je vous ai évoqué au début, des situations de travail, enfin, une liste de situations de travail qu'on a ciblées, et donc des simulations par rapport à ces situations de travail, de manière à pouvoir vérifier ou invalider certains points. Et donc, reconcevoir s'il y a besoin pour adapter l'activité. Les fameuses itérations, donc en fonction des retours qu'on a, eh bien, on se dit qu'il y a certains points à améliorer, certains points à conserver. Et donc, notre équipe d'ingénieurs travaille sur l'amélioration du dispositif. Voilà, les améliorations. Donc, pour conclure, très rapidement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, un petit peu à la manière des solutions qu'on a pu voir avant, eh bien, je pense que en termes d'exosquelette, il faut bien dire que chaque problématique est différente et que donc chaque problématique doit avoir une solution différente qui est apportée. Ça, c'est super important et on ne peut pas, en tout cas à aujourd'hui, on peut que très difficilement standardiser un exosquelette et dire qu'il conviendra à toutes les situations de travail. Voilà. Je vais passer sur la suite du document. Ce sont des exemples, si vous voulez, on pourra les reprendre après, il n'y a pas de souci. Ce sont d'autres exemples d'affilée. Merci. Avec plaisir. Donc maintenant, et bien, pour terminer, on va vous présenter, enfin, Aude va vous présenter le parcours Industrie du futur, qui sera un dispositif qui va vous permettre de mettre tout ça en place dans votre entreprise si vous êtes intéressé par ces sujets. Aude, à toi. Merci. Donc, bonjour, Aude Desjean. Je travaille pour ADOC, l'Agence économique, en tant que chargée de mission agroalimentaire. Et donc, moi, je vais vous présenter ce dispositif État-Région, Industrie du futur, pour vous accompagner. Donc, pour débuter, je vais passer les slides. Vas-y, tu me dis. Tu arrives ? Non, bon, je t'aide. Bon, merci. Simplement une définition. Donc, l'industrie du futur, sous ce mot, est un concept assez simple. C'est finalement l'ensemble des transformations des systèmes de production qui peuvent être introduites par les nouvelles technologies et qui permettent donc à l'industrie de gagner en performance et en compétitivité. Et on en a vu donc plusieurs exemples ce matin. Je veux bien que tu m'aides, Anne. Voilà, merci. Donc, ce qui est important au niveau de l'industrie du futur, c'est que c'est vraiment une approche globale et on regarde l'entreprise comme un système. Donc, en fait, on va intégrer différents facteurs déterminants dans le processus de transformation qui sont listés ici. Et surtout, on va regarder en fait leurs interrelations et les impacts sur le système de production. Donc, ces différents items, c'est la vision et la stratégie du dirigeant, toute la partie d'intégration du numérique et des technologies de production avancée. On va regarder la performance de l'outil industriel en tant que tel,
mais aussi la performance organisationnelle, le lien de l'entreprise avec, avec ses tiers, la réduction de l'empreinte environnementale énergétique, bien évidemment tout le facteur humain, toute la richesse humaine de l'entreprise, puisque bah, sans embarquer les équipes, ça ne peut pas fonctionner, et tout ce qui est performance économique et nouveaux modèles. Donc, on l'a vu ce matin avec des exemples très, très concrets sur la performance industrielle, la robotisation, l'automatisation. Mais on a vu dans tous les exemples que ça, ça s'étendait sur d'autres sujets. Pour que ça marche, il y avait aussi intégrer le personnel, les former, leur expliquer, les accompagner dans le changement. Il y avait toute la partie outils numériques associés. On a vu qu'on pouvait aussi améliorer les performances énergétiques sur certains postes. Voilà, donc on voit bien que quand on touche un des aspects de l'entreprise, ben c'est important de regarder en fait le global sur tous les éléments qui déterminent la performance et les impacts, et bien prendre en compte en fait cette vision globale pour que l'intégration des nouvelles technologies et le passage à l'industrie du futur soient efficaces. Je suis désolée, Anne. Merci. Donc, pour ce faire, pour vous accompagner dans ces transformations, la région et l'État ont mis en place un programme pour vous accompagner qui va permettre, en fait, de faire appel à des experts de l'industrie du futur qui sont référencés par la région et qui vont étudier spécifiquement votre cas d'entreprise et mettre avec vous en fait une démarche personnalisée en place, mettre en œuvre en fait une stratégie surtout à impact rapide. Voilà, l'objectif c'est pas il y aura des chantiers long terme, mais en tout cas à court terme, à moyen terme, qu'est-ce qui peut être amélioré, et dans l'idée en fait d'être dans une démarche d'implémentation. Voilà, de commencer des chantiers par ordre aussi de priorité et de retour sur investissement. Donc l'objectif, c'est vraiment de gagner en compétitivité, en performance globale, d'intégrer donc les nouvelles technologies, tout en renforçant l'humain, et d'être toujours dans cette démarche, voilà, ce que j'expliquais, d'implémentation, d'innovation continue, et tout en prenant en compte la partie environnementale. Donc, il se découpe en fait en deux phases, ce programme d'accompagnement. Donc, on est vraiment sur du conseil par des experts pour aller donc vers une industrie performante, résiliente et durable. Et donc, il y a deux phases qui sont faites de façon distincte. La première, c'est une phase un peu rapide de 5 jours qui consiste en la réalisation d'un diagnostic. Donc, 360, c'est pour dire qu'on va regarder tous les items que je vous ai présentés avant pour définir en fait vos objectifs prioritaires pour votre transformation. Sur cette partie-là, en termes de financement pour l'entreprise, cette partie est prise en charge à 100% par la région, donc plafonnée à 1 200 € hors taxe jour pour ces 5 jours. Donc, il y a un cofinancement avec la région et en gros, l'entreprise, de votre côté, vous n'avez rien à payer pour cette partie-là, elle est prise en charge 100%. Sur la phase 2, là, on va être plutôt dans la mise en œuvre après ce diagnostic-là, donc sur l'élaboration d'un plan d'action priorisé, la réalisation justement d'un business plan avec évaluation du retour sur investissement pour chaque action. Donc là, c'est dans l'idée d'être sur une stratégie à impact rapide aussi et de bien prioriser tout le travail qui va être fait pour mettre en œuvre votre transformation. Et mettre ensuite les actions en place de façon opérationnelle. Et sur cette partie-là, il y a un cofinancement État-Région et une prise en charge jusqu'à 50% de l'accompagnement par l'expert. Merci. Donc, au niveau des experts, donc je vous l'ai dit, il y a 7 prestataires qui ont été référencés selon un cahier des charges bien définis. Donc, les 7 experts sont cités ici sur la slide. L'objectif, en fait, c'est qu'ils sont vraiment sur une méthodologie d'architecte de projet, donc sur cette approche globale. C'est un tiers de confiance pour l'entreprise. Ils ne sont pas offreurs de solutions X ou Y. Donc, eux vont vraiment regarder votre besoin et établir avec vous la feuille de route spécifique et, si besoin, dans la partie opérationnelle, aller s'appuyer sur les experts de telle ou telle technologie en fonction de la feuille de route qui est définie pour vous. Donc, il a vraiment un rôle de pilotage du projet de transformation.
Il définit, propose et coordonne les interventions avec les experts, voilà, en fonction de vos priorités. Et au niveau du choix de ce prestataire, c'est à l'entreprise de choisir parmi ces prestataires celui qui l'accompagnera dans ce projet, dans le diagnostic et éventuellement dans la mise en œuvre de la pilote. Donc, au niveau des critères d'éligibilité des entreprises à ce dispositif, donc finalement, c'est toute entreprise qui a une activité industrielle. Et surtout, vraiment, un point important, c'est quel que soit le niveau de maturité de l'entreprise. On l'a vu dans les exemples ce matin, il y a des choses simples qui peuvent être mises en place, des choses plus complexes, voilà. Et chaque entreprise, quel que soit son système productif actuel, est en capacité d'améliorer sa performance. Et donc, vraiment, ce dispositif s'adapte à toutes les entreprises par rapport à ça. Et d'autant plus au secteur agroalimentaire. Donc, il faut que les entreprises soient situées en région Occitanie. Au niveau de la taille de l'entreprise, donc des très petites entreprises, moyennes entreprises jusqu'à entreprises de taille intermédiaire, donc globalement avec des effectifs inférieurs à 5 000 salariés, enfin, vous avez le détail. Il faut au moins avoir un premier bilan, donc au moins 12 mois minimum d'activité. Et ensuite, dans la, notamment sur les liens que je vous mettrai après, vous aurez l'accès aux notices détaillées avec voilà, plus d'informations sur les critères d'éligibilité, mais en gros, c'est quand même assez, assez ouvert. Donc, pour, si vous êtes intéressé pour intégrer le parcours, donc pour découvrir voilà, tous les détails, choisir un prestataire, déposer votre dossier, donc tout se passe sur le hubentreprendre.larégion.fr. Donc là, vous pouvez chercher le financement parcours régional industrie du futur. Vous tombez sur la page du dispositif avec donc la notice détaillée. Une fois que vous avez créé votre compte sur le hub, vous avez accès vraiment à la présentation détaillée aussi des sept prestataires. Vous pouvez les contacter, demander un devis et déposer ensuite en ligne votre demande d'accompagnement. Donc c'est un dossier assez simple et sur le Hub Entreprendre, vous retrouvez aussi le réseau des développeurs qui peut vous accompagner pour solliciter ce dispositif. Petite précision, donc le flyer est téléchargeable, comme je l'ai dit en introduction, dans les documents. Vous avez un petit onglet sur les documents distribués et vous avez le flyer avec le détail de tout ça. Merci Anna. Tu m'as sauvé. Je suis en train de me rendre compte que j'ai, en plus c'est en jaune, j'ai même pas mis le lien, non mais tout va bien. Bon bref, je le rajouterai dans le. On vous le mettra dans le support qui vous sera diffusé. Voilà, c'était un point important que je voulais souligner, c'est que donc sur ce dispositif régional Industrie du futur, on est vraiment dans l'accompagnement, dans du conseil. Sachez aussi qu'il y a d'autres dispositifs. Pour vous aider de différentes sortes qui existent selon les typologies de projets, selon le montant de vos investissements, notamment si dans ce cadre de transformation, vous avez des investissements matériels ou immatériels à faire ou des démarches d'innovation, voilà, sachez qu'il y a des dispositifs qui existent. L'objectif, ce n'est pas de vous tout présenter aujourd'hui, mais en tout cas, ils peuvent vraiment venir en complémentarité de ce parcours-là. Et surtout, c'est intéressant et pertinent de mener une étude de besoin en amont d'un investissement. Voilà, ça peut vraiment être intéressant de faire ce diagnostic à l'industrie du futur, définir votre feuille de route, éventuellement les investissements nécessaires et solliciter éventuellement d'autres aides publiques sur ces financements-là pour être bien sûr en fait de la bonne adéquation entre votre besoin, la solution, le gain que vous allez en tirer par rapport au montant d'investissement. Donc, par rapport à ça, donc, l'AREA et LCA ont travaillé sur un recensement des aides existantes. Donc, on vous mettra le lien. Je vous ai remis donc le lien du Hub Entreprendre à la région qui présente tous les dispositifs régionaux. Voilà, donc n'hésitez pas à créer votre compte et à regarder ça.
et à contacter le réseau des développeurs si vous avez des questions spécifiques. Je vous ai mis à ce titre le contact générique de l'agence, hein, mais d'autres réseaux peuvent tout à fait vous accompagner. Et également en lien sur le site du ministère, vous avez un récapitulatif aussi de toutes les aides possibles pour le secteur agro, à la fois les aides liées à la crise et à la fois les dispositifs sur le plan de relance. Voilà, moi j'en ai fini pour cette présentation rapide du dispositif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce dispositif ou sur l'ensemble du webinaire, donc via le chat où vous pouvez aussi ouvrir vos micros. Comme le disait Anne en introduction, ce webinaire donc, s'inscrit dans un cycle avec plusieurs éclairages thématiques. Donc, le prochain sera le 15 octobre. Toujours sur la matinée, donc sur la thématique de la supply chain et de la logistique. Et sachez que nous avons fait donc un premier webinaire sur la traçabilité. Vous avez là le lien vers le replay. Et également, donc le réseau des CCI qui anime aussi ce parcours régional et l'industrie du futur a fait de nombreux webinaires qui sont aussi disponibles sur leur chaîne YouTube. Ils sont en lien et notamment certains avec les fameux prestataires référencés sur le parcours régional. Voilà, on est à votre écoute. Oui, juste en complément, puisque vous allez pouvoir réagir, poser des questions, envoyer des commentaires, vous pouvez aussi nous dire ou bien l'écrire sur un chat, éventuellement les sujets que vous souhaiteriez qu'on traite sur 2022 pour d'autres sessions. Donc, on a dit traçabilité, robotisation, automatisation et supply chain logistique en 2021. Si vous avez d'autres envies pour 2022, profitez-en, on pourra les déployer dans les prochains webinaires. Vous pouvez ouvrir le micro, chatter comme vous le souhaitez. Ça devait être parfaitement clair. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez qu'on développe? Non, pas de questions. Pour ma part, c'est très clair. Merci de cette présentation. Eh bien, merci pour votre tour. De toute façon, vous aurez donc évidemment hein, le replay de ce webinaire avec le PowerPoint. Est-ce que certains veulent se lancer? Est-ce que ça vous a motivé, ce sujet de l'automatisation ou de la robotisation? Est-ce qu'il y a des intentions d'inscription au parcours? Il y a un silence assourdissant. Ah oui, là c'est… Oh là là! Ça marche? Bonjour. Bonjour. C'est Benoît Bonizoni, Société des fermiers du Rocamadour. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend très bien. Oui, c'est bon, très bien. Mais oui, en fait, en effet, quand j'ai vu le thème du webinaire, ça m'a interpellé parce qu'actuellement, on se pose beaucoup de questions sur des problématiques TMS dans le milieu fromager, et surtout dans la retourne de fromage. Et je trouve que le webinaire d'aujourd'hui m'a amené beaucoup d'espoir sur nos projets de réflexion parce qu'on est une entreprise de 18 salariés, 4 millions d'euros de chiffre. Donc, quand on parle robot, on s'imagine toujours des budgets assez impressionnants. Mais les outils proposés là par la région me semblent intéressants pour des structures comme nous, justement, d'approcher, de toucher du doigt un peu cet univers. Et j'ai vu qu'en fait, les solutions étaient vastes et voilà, me donne beaucoup d'espoir sur nos projets d'évolution en interne. Voilà. Donc, merci pour le webinaire et je pense qu'on avancera, on reviendra vers vous en tout cas. Voilà, merci. Ben merci beaucoup pour ce retour. Enfin, c'est vraiment l'objectif peut-être de notre démarche de démystifier un peu l'industrie du futur, l'industrie 4.0, où on peut se dire que c'est destiné qu'aux grandes entreprises ou autres. Donc, vraiment pas, il y a des solutions adaptées, je pense, à toutes les problématiques et il y a des experts justement pour faire des choses adaptées à vos besoins. Aude, on a une question pour toi là de Anne d'Artéris. Quelles sont les conditions d'éligibilité au parcours présenté que tu as présenté?
Oui, donc je les ai présentés. Activité industrielle, être en Occitanie, avoir au minimum un an d'activité, être donc on peut aller jusqu'en taille d'entreprise, jusqu'aux entreprises de taille intermédiaire, donc inférieure à 5 000 salariés, puis il y a des notions sur le chiffre d'affaires et le bilan. Parce que la question d'Artéris était sur ce point-là, hein, sur la taille de l'entreprise, je pense. Oui, bah, ensuite, après, il faut étudier au cas par cas la taille de l'entreprise, mais je crois qu'on est dans un cas ETI. Donc, je pense qu'Artéris est éligible. Après, bonjour. Oui, bonjour. C'est Anne Poyemassol, directrice de l'innovation d'Artéris. Oui, c'était bien par rapport à la taille de l'entreprise, ma question, parce que c'est vrai que certains dispositifs proposés par la région excluent les ETI. Et donc, je voulais m'en assurer, là, si c'était bien le cas, qu'on ne soit pas exclu de ce dispositif. Non, les ETI sont bien prises en compte dans ce dispositif, puisque bah, justement, dans cette démarche, je me répète un peu, du futur. On peut vraiment être sur un panel de profils d'entreprises différents et c'est notamment pertinent pour les outils. Oui, alors nous, on a une problématique là sur un de nos abattoirs, hein, c'est celui qui se situe dans le Tarn, à la Bruguière, à côté de Castres. Donc, abattoir, volaille, canard gras, lapin, où il y a une grosse problématique, en fait, d'accrochage des animaux lorsqu'ils arrivent à l'abattoir. Et ensuite, deuxième problématique, c'est plutôt pour le lapin, donc c'est le dépeçage du lapin. Donc, ce sont des gestes qui demandent en fait beaucoup de force, hein, voilà, avec plusieurs groupes musculaires sollicités. Et donc, on a déjà pris contact avec la société qui a présenté donc ces solutions exosquelettes là tout à l'heure. Alors, je ne sais pas du tout à ce stade si c'est la bonne solution, mais du coup ma question autour de ça, est-ce que si on a déjà bien identifié notre problématique, est-ce qu'on est obligé de passer tout de même par le parcours que vous avez présenté, Aude? Alors il n'y a aucune obligation, hein. C'est quelque chose qui est à votre disposition, vous l'utilisez ou non si vous en ressentez le besoin. Après, moi, j'aurais tendance à dire que c'est toujours un plus. C'est pas surtout sur la phase diagnostique, même si le problème est bien identifié. Je pense que être challengé entre guillemets par un tiers qui a l'habitude de ce genre de démarche, qui va peut-être élargir un peu aussi la problématique, hein, en la regardant un peu sous différents angles, ça peut être un plus. Après, voilà, ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vous souhaitez. L'objectif, c'est déjà, sur cette phase 1, de pouvoir avoir ce diagnostic avec ce tiers un peu spécialiste d'industrie du futur. Donc là, vous, le diagnostic, vous l'avez fait sur cette problématique très spécifique, mais ça peut peut-être apporter un éclairage complémentaire. Et en tout cas, sur la phase 2 de mise en œuvre, l'objectif, c'est vraiment d'avoir, entre guillemets, l'appui d'un chef de projet qui va aussi coordonner ça, éventuellement faire appel aux experts que vous avez déjà identifiés. Hein. Mais ça reste un coût aussi pour l'entreprise. Si je peux compléter, parce que ça peut intéresser d'autres personnes, la question d'Anne-Paul Massol. La question, c'était, enfin moi j'en vois deux, mais d'une façon générale, est-ce qu'on peut faire la phase 2 sans avoir fait la phase 1? Et l'autre point, c'est dans le cadre de ce qui a été évoqué pour Artéris et Artéris Innovation, c'est sur un site ou un métier, alors qu'ils sont, c'est une coopérative qui est polyvalente, qui a beaucoup de métiers. Si jamais ils devaient faire la phase 1, donc si jamais elle était obligatoire pour avoir accès à la phase 2, est-ce qu'on peut la recentrer sur un seul métier ou un seul site plutôt que d'étudier sur l'ensemble de la coopérative qui est concernée, surtout s'ils veulent faire une expérimentation bien spécifique? Oui, alors les deux phases sont indépendantes. C'est bien la question. Ah, même si ce n'était pas tout à fait la question, je pense que c'est intéressant de le préciser. Les deux phases sont indépendantes.
Donc voilà, si on s'engage dans la phase 1, il n'y a pas d'obligation de faire la phase 2. Et si on est déjà bien avancé, on peut directement faire la phase 2 aussi. Donc voilà, c'est quand même, l'objectif, c'est que ça soit vraiment à l'écoute et adapté à l'entreprise. Voilà. Après, si on a fait une phase de diagnostic, si on est sur une problématique très précise, finalement, il va y avoir un investissement défini. Bon, ben, il n'y a peut-être pas besoin d'un suivi long avec un expert sur le projet. Si c'est quelque chose parce que la phase 2 peut permettre effectivement d'ouvrir un peu, d'approfondir la problématique, etc. Mais peut-être que la phase, dans leur cas, sachant qu'ils ont déjà plein de dispositifs de management, de pilotage, de gestion des risques, ce n'est peut-être pas utile. Par contre, la phase 2 peut être bien pour compléter leur approche. Sur le projet spécifique, oui. Et voilà. Sur ton deuxième point, Alix, sur voilà, quand on est multi-site, multi-produit, etc. Pour le coup, là, je pense que c'est intéressant de se concentrer sur le site industriel en question et sa problématique. Enfin, voilà, on est sur différents métiers, aucun intérêt à aller faire un diagnostic complet. Est-ce que du coup, Anne-Paul, tu vois plus clair? Oui, c'est plus clair. Hein. Merci beaucoup pour tous ces compléments. Hein. Avec plaisir. Bon, enfin, n'hésite pas. Hein. Je crois que vous voulez compléter. Oui, donc, effectivement, on a déjà... Donc, je ne sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui parle. Mais... Je vais devoir vous quitter parce que j'ai une salle de réunion à libérer. Je vous remercie de la présentation, c'était très clair pour moi. Hein. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Oui, c'est vrai qu'on a déjà travaillé à l'époque quand j'ai expliqué les interventions 2012-2014, on a déjà travaillé sur cette, enfin pas cette problématique-là, mais sur ce type d'approche. Je pense qu'effectivement, c'est important, comme le disait Madame Dejean, de pas non plus trop ouvrir. Il faut, c'est vrai, avoir une approche systémique, mais il faut pas non plus trop ouvrir parce que la problématique de saisie des animaux vivants dans des cages et de l'accroche est un sujet complexe, et quelque part ce qui se passe après, une fois qu'ils sont morts, c'est vrai que c'est quand même différent, quoi. Donc on a une spécificité extrêmement importante par rapport à ça. Ce métier. Ah ouais. Ben, ça, c'est super important, effectivement, parce que c'est complètement particulier. Moi, j'avais déjà travaillé en amont sur, en sortie d'anesthésie. Hein, ça dépend aussi, il y a différentes solutions. Il faut savoir ce qu'il y a comme opération avant. Et le sujet est important. Et dans un diagnostic, effectivement, c'est important. Et de regarder ce qu'il y a à côté, bien sûr. Mais pas trop loin non plus, parce que sinon on n'est pas assez précis. Et je dois dire aussi que l'automatisation, la robotisation, bah, c'est un domaine très spécifique, et que quelque part, oui, il faut faire intervenir des experts. C'est pas forcément pour vendre mon métier, mais très franchement, c'est important. Merci. Et donc l'accompagnement sera un peu en fonction des besoins de chaque entreprise, mais Aude, est-ce que tu peux préciser aussi pour la phase 2, il faut aussi, par contre, faut forcément passer par un architecte. Oui, en fait, en théorie, c'est l'architecte qui a fait le diagnostic et qui suit la phase 2, puisque là, l'objectif, c'est vraiment de définir les actions concrètes qui vont être mises en place, hein, la feuille de route, et puis d'être en coordination, en pilotage, et aller chercher les experts nécessaires. Enfin, voilà, si justement, ouais. il y a un projet… Les experts, les offres de solutions. Voilà. Si je peux intervenir sur ce point, pardon, Jasmine Boudjema de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, justement, sur cette phase 2, l'architecte projet qui a accompagné l'entreprise en phase 1 s'appuie d'offreurs de solutions industrie du futur qui ont des profils justement plus technologiques, en fonction des besoins de l'entreprise, et notamment du club des offreurs de solutions et de la plateforme CCI Business Occitanie, qui référence un certain nombre de prestataires. Mais ça veut dire que dans la phase 2, quand on parle de 50% des frais, enfin de 50% d'aide, ça sera 50% qui va compter l'architecte, plus l'expert, etc. Tout est intégré dans les 50%.
Ça ne prend pas en compte les investissements, par contre. Ça, c'est d'autres dispositifs. Non, c'est ça. C'est toujours du conseil et c'est jusqu'à 50%. C'est jusqu'à 50%, mais du coup, il peut y avoir effectivement plusieurs personnes, c'est-à-dire que l'architecte plus des experts qui seraient financés dans ce cadre-là. Oui, l'interlocuteur privilégié reste l'architecte projet de la phase 1, mais après, lui, bien sûr, en accord avec l'entreprise, s'appuie sur des profils plus technologiques, on va dire, mais toujours selon les besoins identifiés lors de la phase 1. Mais ça ne vous dédouane pas d'avoir des dossiers d'investissement. Oui, en parallèle. Et couvert par le parcours qui est vraiment de la prestation intellectuelle du conseil, de l'accompagnement. Après, par expérience, hein, et parce que je travaille aussi auprès d'ingénieries qui sont généralistes, hein, je pense qu'effectivement, l'architecte de solution, s'il fait appel à des fournisseurs, bien sûr qu'ils ont une approche conseil, mais qui n'est pas neutre. Elle ne peut pas être neutre. C'est pas possible. Donc après, voilà. Moi, je défends quand même cette position de conseil neutre qui fait appel aux offreurs de solutions quand ils sont spécialisés dans le domaine. Après coup. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas faire, effectivement, mais ça veut dire que quelque part, leur métier de base est quand même la vente de solutions. Et de plus en plus, je suis appelée par ces gens-là pour apporter un œil extérieur qui permet d'être plus large, quoi. Voilà. Mais parce que l'expertise. Les journées d'experts font partie des journées prises en charge à hauteur de. Jusqu'à 50%, par le dit. Fait. Coordonné par l'architecte. D'avoir des experts automatisés de cotisation à un moment donné, qui soient neutres également, avant de faire appel au fournisseur. Bien sûr. Mais c'est mon point de vue. Après, voilà. Il y a 25 partages. Pardon ? C'est plafonné à 25 jours. C'est-à-dire que c'est 25 jours cumulés. Je suppose qu'il y a plusieurs personnes, ça sera 25 jours. Non, mais pour être honnête, 25 jours, il y a déjà de temps pour faire des grosses études, hein, quand même. Ça va. Oui, il y a des marches. 25 jours, c'est bien aussi. Hein. On fait okay. Du bon travail quand même en 5 jours de diagnostic. Petite question par rapport au profil. Il y a une question. Ouais, une petite question par rapport au profil de ces architectes de projet ou de ces experts. Est-ce que vous savez un petit peu quel type de profil ils ont ? Oui, merci Anne. Donc, c'est vraiment des profils. Alors, ce ne sont pas des experts, en tout cas filières. Ce ne sont pas des experts agro, ce sont des généralistes qui ont des références clients. Dans l'agro aussi, mais qui ont vraiment une expérience éprouvée sur cette partie industrie du futur. On parle des architectes, là, pour bien préciser. Oui. Donc, vous les avez là, ce sont des cabinets, comme ça, Agilea, AFNOR, Altran, Silat Consulting, Inextenso Innovation Croissance, OPO Socodit, TopTech. Voilà, donc il y a aussi un peu toutes les tailles de cabinets, mais en tout cas, qui sont vraiment rompues. Cette partie industrie du futur, diagnostic, selon une méthodologie aussi qui a été établie, un cahier des charges défini. Donc là, selon les prestataires, c'est vraiment le choix revient à l'entreprise. Mais en tout cas, chaque prestataire aura une méthodologie assez proche. Voilà. D'accord. Et après, les architectes font appel à des experts. D'accord, je comprends. C'est assez intéressant, on appelle à des experts spécialisés du sujet. Ouais, d'accord. C'est assez intéressant, c'est typiquement la démarche d'un ergonome. Mais je me posais cette question parce que justement, en voyant tout à l'heure les différents prestataires qui sont référencés, donc par exemple à la FNOR, on peut retrouver des ergonomes. Chez Altran, on a plutôt des profils d'ingénieurs. Et donc, je pense qu'on a un diagnostic qui, même si on a une démarche commune, est à la sortie un petit peu différent. C'est pour ça que je posais la question. Mais eux, c'est vraiment des généralistes, en fait, qui vont cadrer le besoin et piloter le projet en faisant appel
à des experts, à des offreurs de solutions. En fait, ils vont faciliter l'analyse et la mobilisation des experts pour les entreprises, hein, Aude, si je ne me trompe pas. Oui, après, c'est sûr que selon les cabinets, ils vont peut-être avoir une sensibilité, ce que vous disiez, hein, plus ou moins sur tel ou tel axe, hein, plus l'humain, plus peut-être techno, etc. Mais en tout cas, ils vont être tous sur cette même démarche globale. Et ensuite, vraiment, pour moi, l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir un dialogue entre l'entreprise et les experts référencés pour aussi choisir celui qui paraît le mieux convenir à sa problématique. Ce sera un coordonnateur, en fait. Hein. Oui, mais c'est ça, c'est un architecte, vraiment. C'est un chef de chantier. C'est ça. Bon, en tout cas, on a un petit peu dépassé le timing. Je crois qu'on peut conclure. Mais après, personne n'empêche les experts de se rapprocher des architectes pour se faire connaître aussi. Tout à fait. Merci. Merci en tout cas à tous et à toutes. Et puis, ben, rendez-vous au mois d'octobre, donc le 15 octobre, pour une partie sur la supply chain. Et merci. Et puis, on attend l'inscription d'Arteris. Oui. On attend l'inscription d'Anne-Paul. Qu'est-ce que tu dis ? On attend l'inscription d'Arteris. Oui, et des fromagers aussi de Rocamadour, là. Et d'autres, voilà. Voilà, on a vu qu'il y en avait un deuxième. OK. Et en tout cas, merci. Sachez, c'est au fil de l'eau, hein, le dispositif. Donc, voilà, vous pouvez le mobiliser lorsque… Donc, vous pouvez contacter Aude, vous pouvez contacter le Hub Entreprendre, vous pouvez nous appeler, Anne ou moi, et puis après, on vous donnera le bon chemin. Il n'y a pas de souci. Quel que soit votre mode de communication favori, de toute façon, vous aurez la réponse et vous pourrez vous inscrire facilement. En tout cas, la référence, c'est le Hub Entreprendre. Merci. Merci aux intervenants. Merci à tous pour votre écoute. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.